Tamim est un studio dédié à la beauté qui est né d'une envie de nous voir représentés. C'est vrai que Diane et moi, on ne rentre pas forcément dans les canons classiques de la beauté et on avait envie, enfin on a eu cette vision d'une beauté diverse, vraiment inclusive. Oui, donc c'est avec toute cette envie de modernité, de diversité, qu'on a choisi un nom qui représente bien ça pour nous. C'est un nom d'origine kamite, donc avec des origines africaines comme Yvon et moi. Qui signifie perfection. Et donc c'est un mot qu'on aime beaucoup parce que c'est un mot qu'on trouve chargé justement de diversité. Si on demande à plusieurs personnes ce que ce mot signifie pour elles, ça va à chaque fois être des choses complètement différentes. C'est ça qui nous plaît beaucoup. La beauté, le style, la mode ont toujours été une passion commune, hein, à nous deux. On a toujours aimé ça et c'est vrai qu'on nous a toujours demandé des conseils. On a dit, oh, bon, comment je fais pour me maquiller quand on est sortir. Et que bah, naturellement, c'est des idées qu'on donnait comme ça. Mais à un moment donné, on a senti que bah, il en fallait plus, que c'était, c'est vrai qu'on travaillait de manière instinctive, mais qu'on avait besoin de légitimité en fait. On avait d'abord été tous les deux formés dans complètement des domaines complètement différents. Donc on a eu des masters universitaires avant de nous focaliser sur le maquillage. Et donc après cela, on a tous les deux fait une formation ensemble de make-up artiste. Et on a également exercé sur le terrain en travaillant pour une marque, notamment MAC Cosmetics. Avez-vous déjà imaginé un espace dans le cœur de Bruxelles dédié au conseil beauté? Deux artistes passionnés aux ambitions créatives et aux parcours différents se sont unis pour le créer. C'est ainsi qu'est né Tamim. Alors que les marques de maquillage foisonnent et que la demande n'a jamais été aussi forte, ils innovent et créent des services maquillage personnalisés. Entre les gourous self-made de la beauté du net et l'ancienne garde des instituts de beauté, entre les styles standardisés de la génération YouTube, les techniques d'esthétique révolues, une nouvelle ère est en marche. On s'approprie les outils, on personnalise les codes et on se sent belle. Chaque mois, toujours plus de rendez-vous. Et depuis leur début, c'est des milliers de Tamim Girls conquises. Mais qui est-elle, cette femme Tamim? Elle assume son indépendance et est exigeante. Elle privilégie la richesse de l'expérience, elle prend soin d'elle. Là où d'autres misent sur des produits, Tamim met l'accent sur la personnalité, l'authenticité. Sans masque, la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Tamim déploie son identité et partage sa vision dans la presse et sur tous les réseaux sociaux. En 2015, Tamim part à la conquête du marché africain, en route vers un succès international. On se rend compte aujourd'hui que le maquillage a de plus en plus de popularité, c'est vrai, à cause des Kim Kardashian, de tout ce phénomène de célébritisation. Avec YouTube, Instagram aussi, on se rend compte qu'il y a un peu une standardisation de la beauté. C'est des maquillages très forts, très chargés, avec du contouring, des sourcils, de l'eyeliner, etc. Et c'est vrai que ben, nous, Tamim, depuis qu'on a commencé, maintenant depuis un an et demi, on se fait connaître par un maquillage naturel justement, qui n'est pas dans la transformation. Qu'on aime bien
dire et on aime beaucoup parler de beauté plus que de maquillage. C'est également la raison pour laquelle on n'a pas d'avant-après dans nos photos, sur les réseaux sociaux, etc. On n'aime pas appuyer sur le fait que la personne est maquillée, mais simplement sur le fait que la personne est belle. Je veux pas qu'on me rappelle, j'suis pas dans mon assiette. Le soir je dors à peine, j'aime pas qu'on me rappelle, j'vais plus loin que le rap game. Mes gars veulent tous brasser, j'regarde un air blasé. C'est vrai que j'en ai assez, le futur, le passé se confondent dans mes pensées. L'argent règle soucis et problèmes, bien parti pour faire des thunes. Mes gars veulent du Gucci, Ralph Lauren, et puis tout ce qu'on voit dans les pubs. Tu sombres tes mots dans un verre, non tu n'en as pas le choix. J'reconnais mes bros et mes frères, leur soutien, ouais, je le vois. La soirée m'a bien crevé, je me réveillais avec...